Si j'avais un message à passer aux enseignants et aux élèves, ce serait de faire plusieurs recherches, marquer des bons mots-clés, pas marquer de verbe déterminant. Ben, la question, elle doit être ouverte, comme elle doit pas se répondre par oui ou non. Aussi, elle doit avoir plus de noms que de verbes, puis elle doit être constituée de plusieurs mots-clés.